Hi tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous révéler mes applications favorites de téléphone du moment. Donc c'est parti. Alors l'idée de cette vidéo m'est venue simplement parce que je voyais beaucoup de gens faire des vidéos What's in my phone, etc. Moi j'avais pas envie de faire ce concept parce que je trouve que c'est un peu... Donc vous n'avez pas besoin de voir toutes les applications, mais je vais vous révéler plutôt mes applications favorites du moment. Donc toutes les applications que j'utilise beaucoup en ce moment. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux, parce que je joue beaucoup à des jeux de téléphone en ce moment. Et voilà, bon, en vrai, c'est juste mes applications favorites pour moi. Bon, voilà, je dis bien que c'est pour moi, hein, parce que vous voyez que vous pouvez se dire « Oh mais non, mais non, moi j'aime pas ça. » En fait, vous avez le droit de aimer ou pas aimer, il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, moi j'adore ces applications, donc je vais vous les révéler aujourd'hui. Du coup, première application à laquelle je joue beaucoup en ce moment, c'est une application qui est très connue, c'est l'application Monopoly Go. Alors cette application, c'est un jeu du coup pour ceux qui connaissent, et c'est un jeu en fait où on doit, enfin c'est le Monopoly etc, et vous savez on peut attaquer les gens et tout, enfin du coup c'est trop bien, du coup j'aime trop, et voilà, donc j'y joue quasiment tous les jours, là pendant les vacances j'y joue tous les jours, donc voilà, donc j'aime trop cette application, genre vraiment elle est trop bien, donc voilà, donc je vous la recommande si vous voulez tester le jeu, franchement il est génial le jeu, genre c'est vraiment un de mes jeux préférés que j'ai sur mon téléphone en tout cas. En fait j'ai surtout remis les anciens jeux de mon téléphone mais j'en ai pas installé d'autres, donc voilà. Ensuite, deuxième application, c'est encore un jeu, c'est l'application Zoo Animal Park. Donc deux Animal Park. Alors ce jeu là c'est pareil, j'adore. Pour ceux qui adorent les animaux etc, c'est juste une application pépite. C'est un peu genre oh, tu vas t'occuper de tes animaux, tu dois en mettre etc, tu dois gagner de l'argent etc. Enfin du coup c'est trop bien. Alors bon, ça part très vite l'argent chaque fois forcément, un peu comme sur Adotomy. Mais j'adore ce jeu, enfin voilà, ça me détend en fait, c'est vraiment un jeu de détente pour le coup. Donc voilà. Troisième application, et ça c'est encore une application qui cartonne en ce moment, et pour le coup je valide, c'est l'application du jeu de la pastèque. Alors ça je pense que cette application beaucoup la connaissent, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, vous savez c'est un jeu en fait où on doit mettre des on doit assembler par exemple deux myrtilles ensemble, deux cerises ensemble, deux tomates ensemble, en fait ça va donner des fruits de plus en plus gros jusqu'à arriver du coup à la pastèque qui est le fruit pour gagner, et si tu fais une double pastèque elle s'enlève etc, enfin, voilà, donc c'est ce jeu là. Bon après ce jeu là il se trouve partout, il est pas que sur téléphone, il y en a même un sur Roblox d'ailleurs, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai même testé, bon je suis moins fan sur Roblox que sur téléphone, mais bon c'est quand même je trouve très bien, donc voilà. C'est l'un des, pour moi, c'est l'un des jeux incontournables dans ce moment. Ensuite, là, on va arrêter un peu dans les jeux. Je vais vous révéler du coup les réseaux sociaux que j'utilise beaucoup. Donc, en ce moment, j'utilise pas mal Instagram. Alors, ne me demandez pas c'est quoi mon compte sur Instagram. C'est privé. Voilà. C'est mon compte privé. Peut-être qu'un jour, je créerai un compte. Même, j'ai hésité pendant un temps à le faire. Est-ce que vous voudriez que je crée un compte Instagram pour la chaîne en fait, parce que je ne sais pas et je ne l'ai pas fait pour l'instant. Donc voilà, donc dites-moi qu'est-ce que vous voudriez avoir dessus, parce que en fait si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne savais pas quoi poster dessus. Je me dis mais oui mais je vais mettre quoi en ligne. Donc voilà. Ensuite j'utilise beaucoup aussi Snapchat, ça c'est vraiment mon application pour parler. Ah donc là aussi c'est privé, hein. Voilà. Snapchat c'est vraiment l'application pour parler. C'est pas une application. J'aime pas les spotlights sur Snapchat, je trouve que c'est pas. T'as rien à faire là-dessus quoi. Mais les stories Snapchat j'aime bien, mais je préfère quand même celle d'Instagram. Donc voilà. Et sinon au niveau réseau social, j'utilise aussi. Enfin réseau social, oui bon. J'utilise aussi beaucoup YouTube. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. YouTube c'est vraiment mon réseau social que j'utilise le plus. On va le considérer dans les réseaux sociaux, hein, même si bon. YouTube c'est vraiment l'application que j'utilise le plus, que ce soit pour regarder des vidéos, faire, etc. J'utilise aussi beaucoup TikTok, mais je ne les mets pas dans cette liste parce que TikTok c'est pas une application. Je regarde beaucoup TikTok, mais c'est pas mon application favorite quoi. Je suis pas contre TikTok, mais quand même des choses dessus, des fois, c'est un peu limite, hein, mais voilà. Ensuite, dans la catégorie outils, etc., j'aime beaucoup l'application YouTube Studio. Bon, voilà, bon, je vais pas en faire plus parce que cette application, tout le monde ne peut pas l'avoir, puisque c'est une application spéciale pour ceux qui ont une chaîne YouTube. Donc voilà, et j'aime beaucoup aussi l'application Stop Motion Studio pour faire des petits films, en fait, en stop motion. Alors, j'en ai fait très peu sur la chaîne. Alors, vous avez peut-être vu des tout petits extraits qu'on peut réaliser avec Stop Motion Studio. Par exemple, dans la vidéo, alors j'ai un exemple en tête comme ça, hein, il y en a d'autres, hein. Mais dans la vidéo, la course de cartes, je crois, oui, c'est ça, j'avais fait un Stop Motion parce que les cartes, il fallait bien qu'ils avancent, j'allais pas les faire, c'était trop compliqué de pas montrer ma main. Du coup, bah, j'avais pris plein de photos parce que le but de Stop Motion, c'est ça, c'est que tu prends plein de photos et ça fait un petit truc. Bon, ça durait 2 secondes à peine. Enfin, le rendu est toujours très incroyable quand tu fais bien. Faut aimer ce style là, moi je trouve, moi j'aime bien. Donc voilà.
Ensuite, dans la catégorie des choses éducatives, j'aime beaucoup Duolingo. Duolingo, c'est vraiment une de mes applications préférées pour les langues. Voilà, Duolingo, c'est trop. Alors, il y a beaucoup de pubs, je trouve, juste dessus. Mais maintenant que je fais sur ordinateur, bon, je le mets quand même dans un truc téléphone. Je fais plus sur ordinateur maintenant parce que sur ordinateur, je trouve que c'est mieux, il y a moins de pubs déjà. Et c'est plus simple pour le clavier. Donc voilà, je fais beaucoup plus sur ordinateur, mais j'aime quand même beaucoup Duolingo. C'est vraiment, je trouve, le moyen, et ça m'a vraiment fait remonter en anglais l'année dernière. Bon, en vrai, j'ai jamais vraiment eu une difficulté en anglais, mais on va dire que vraiment mon niveau en anglais, il a monté grâce à cette application. Il y avait même des choses qu'on m'envoyait en cours 3 mois après que je les ai vues sur Duolingo, parce que bah, Duolingo, c'est pas du tout le même ordre. Donc voilà, donc c'est vraiment bien, parce que des fois, t'as du retard sur des trucs, mais des fois, tu retournes au cours et tu dis, ah non, mais attends, mais ça j'ai déjà appris depuis longtemps en fait. Et sinon, pour une dernière application, je pourrais vous recommander, parce qu'on est vraiment à la fin, je vous recommanderais l'application Spotify. C'est aussi mon application de musique, ou YouTube Musique. En fait, j'utilise vraiment les deux, parce que sur Spotify, des fois il manque des musiques, et sur YouTube Musique, des fois il y a plus de musique, donc c'est plus simple. Mais je ne serais pas faire un choix entre les deux, parce que je trouve que les deux ont vraiment leur différence, ont vraiment leur qualité en fait, finalement. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère. Peut-être un peu plus YouTube Musique, parce qu'il propose un petit peu plus de trucs des fois, comme le music list de droit qu'il n'y a pas sur sur les vidéos Spotify, évidemment, parce que Spotify c'est pas des vidéos, c'est vraiment de la musique. Donc voilà, mais bon, après YouTube Musique, t'as quand même beaucoup de pubs, alors que Spotify c'est différent. Donc vous voyez, je sais pas lequel des deux finalement je choisirais. Du coup voilà pour cette petite vidéo sur ça. Je voulais vraiment faire cette vidéo en 2024, que ça fait un moment que je voulais la faire, mais comme je dis, what in my phone, c'était pas du tout une vidéo que j'avais envie de faire, parce que bon, vous n'avez pas besoin de voir, du coup, comme je disais tout à l'heure, toutes les applications de mon téléphone. Là, au moins, vous savez juste ce que j'utilise à peu près, mais pas tout. Voilà, je reste un petit peu secret. Du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis du coup à samedi pour une prochaine vidéo Playmobil. Et petite surprise, vendredi, il y a un nouveau shot qui sort à 17h. Alors, ne ratez rien. Bye!